Bonjour, c'est Dimitri de l'Office du tourisme de Beaurains et aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'atelier L'As de Pique de Maraceni. Voilà, nous sommes rue de la Briqueterie numéro 1 à Beaurains, chez Maraceni. Donc, nous sommes dans son atelier. Bonjour Mara. Bonjour. Alors Mara, donc toi tu es spécialisée dans la sellerie automobile. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors la sellerie automobile, c'est tout ce qui est rénovation de l'intérieur d'une voiture. Donc que ce soit les sièges évidemment, l'intérieur du siège, mais également tout ce qui est planchéage, ciel de toit, garniture de portière, moquette, tout ce qui est dans la voiture. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là? Quel est un petit peu ton parcours? Tu nous expliquais quand même qu'il y a eu beaucoup de choses que tu as fait avant et qui t'ont aidé quelque part à faire ce que tu fais maintenant, en fait. Alors au départ, je suis graphiste et puis j'ai fait l'image de synthèse et puis j'ai fait les beaux-arts et puis j'ai fait prof et puis j'ai fait la couture. Mais j'ai appris la couture il y a plus de 25 ans maintenant et donc c'est par hasard que je suis arrivée à la sellerie automobile. C'est mon garagiste qui m'a proposé de réparer un siège et puis un deuxième et puis un troisième et puis plein maintenant. Voilà. Okay. Donc Mara, tu expliquais que la sellerie automobile, c'est une combinaison de plusieurs métiers. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a derrière ça, en fait? Alors pour moi, la sellerie automobile, elle s'appuie essentiellement sur quatre métiers. Ah, premièrement, évidemment, la sellerie, et ça représente tout ce qui est le travail du cuir. Ensuite, il y a tout ce qui est garnissage, parce que quand on doit réparer l'intérieur d'un siège, il faut pouvoir le réparer correctement. Et selon les époques, il peut être constitué soit de mousse, soit de crin, du garnissage à l'ancienne. Ensuite, il y a la couture parce qu'évidemment, au bout d'un moment, on va assembler les pièces, pouvoir remonter le siège, remonter la couverture du siège. Et puis, le dernier, c'est le patronage. Parce que pour refaire un siège correctement, il faut pouvoir passer par cette étape indispensable et le faire correctement. Et est-ce que la sellerie automobile, est-ce que c'est quelque chose qui est très répandu en Belgique au niveau artisanal? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça ici? Alors, je pense qu'au point de vue de la Belgique, on doit être une grosse vingtaine, pas beaucoup plus. D'autant plus que c'est excessivement difficile d'être sellier, puisque il n'existe pas de formation en Belgique sur la sellerie automobile. Donc, la plupart se sont formés à l'étranger ou sont autodidactes, comme moi. Voilà. Mara, qu'est-ce que tu trouves vraiment très intéressant dans ton travail? Alors le fait d'avoir des sièges, des portières, des voitures chaque fois différentes me met chaque fois au défi de refaire exactement les housses que j'ai devant moi ou la portière ou le ciel de toit que j'ai devant moi. Après, la difficulté, c'est que j'ai toujours quelque chose de différent, donc des matériaux différents, des constructions différentes. C'est une grande source de créativité et de fatigue. Alors pourquoi en es-tu venu à te faire certifier comme artisane? Alors, parce que pour moi, défendre le travail des artisans est tout à fait primordial, dans la mesure où les consommateurs ont été séparés des gens qui fabriquent. On a délocalisé énormément et donc les gens qui vendent ne savent plus exactement ce qu'ils vendent. Et donc pour moi, les artisans qui fabriquent et qui savent sont vraiment au centre. Il faudrait vraiment les remettre au centre de la ville. C'est là qu'on serait le plus utile, dans la mesure où on peut au minimum renseigner les gens et pouvoir dire, ben voilà, vous voulez acheter des chaussures, ben voilà, c'est ça qu'il faut acheter. Et vous avez besoin de ça, par rapport à ce que vous en avez l'utilité. Et donc, comment peut-on te contacter? Alors, on peut me téléphoner au 0496 87 84 92 ou m'envoyer un mail sur info@asdepique.net ou via mon site internet www.asdepique.net. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toi, Mara, de nous avoir reçus. Et si vous voulez continuer à nous suivre, n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne, liker nos vidéos et nous laisser des commentaires. Et des questions, nous serons là pour y répondre. À bientôt!